remercie un peu celles et ceux qui ont fait le succès de ces journées d'été. Et justement, Reinhard, on voulait commencer par toi. Parce que c'est quand même grâce à toi qu'on a pu faire tout ça, qu'on a pu faire cette journée européenne. Et alors, on voulait vous proposer un petit exercice simple. Tu sais, Reinhard, chez nous, c'est la démocratie participative. On prend toutes les décisions ensemble. Et donc, on voulait vous demander si vous acceptiez de nous donner mandat au bureau exécutif, de demander à Reinhard de retravailler ensemble l'année prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça s'appelle un piège. Et je pense qu'ils ont tellement applaudi fort qu'on fera peut-être plus qu'un jour européen d'ailleurs. C'est quand même les élections européennes. Mais on discutera de tout ça ensemble. Et en tout cas, je vous remercie parce que je sais que les intervenants ont été contents d'avoir beaucoup d'attention de votre part et que vous, d'autre part, étiez ravis du niveau des interventions. Donc merci au Parti Vert Européen, merci aux European Greens, au groupe de Bruxelles, à toute cette équipe européenne. Et c'est un plaisir de bosser avec vous à l'approche des élections européennes, de se créer de nouvelles habitudes de travail ensemble, d'identifier les enjeux environnementaux urgents à solutionner ensemble et d'y apposer des solutions écologistes européennes. Merci à tous. Merci aussi à Marie Toussaint et à Thierry Brochot. Je dois vous dire qu'en tant que responsable journée d'été, normalement, les mois d'été, c'est le moment où tout le monde part en vacances et où je me retrouve un peu scellée à organiser ça et d'avoir fait cette équipe parce que Marie travaille sur l'Europe et Thierry, ça ne vous aura pas échappé, travaille sur les finances. On a fait cette petite équipe qui a bien fonctionné. Et côté finances, je vous annonce officiellement que si on suit le trend de consommation de la buvette, on sera bien arrivé, comme on vous l'avait dit, à l'équilibre demain soir et donc que ces journées d'été auront été autofinancées. C'est aussi grâce à vous. Et je sais que certains y ont contribué plus que d'autres, donc merci à vos... à votre patriotisme en termes alimentaires et de buvettes et tout ça. Et puis, il y a aussi des salariés. Alors, je voudrais remercier tous les salariés d'Europe Écologie Les Verts parce que sans eux, on ne serait pas là. Ça fait 31 ans qu'on fait ça et c'est aussi grâce à eux. Et puis, finalement, il y a une petite équipe qui s'est plus particulièrement mobilisée, que vous avez vu s'activer un peu partout. Il y avait Julien Sage. Alors, lui, je vous le présente plus parce que vous le subissez depuis de nombreuses journées d'été. Là, c'est sa tête quand il est content. Voilà. Si vous avez une critique sur les journées d'été, un truc qui vous a pas plu, qu'on peut améliorer, venez me le dire à moi parce que Julien, il est dans la phase de la journée où il est plus réceptif du tout aux nouvelles idées, donc voilà, vous l'appelez la semaine prochaine. Il y a Vincent Madeline, il y a Pauline, il y a Caroline, il y a Hélène Bracon, il y avait plein de monde, mais il y a surtout les locaux. Alors je vous les remercie, ils sont pas tous locaux parce qu'on a eu l'aide, donc ils sont tous alignés là, vous les connaissez parce que c'est ceux qui vous servent à la buvette. Et vraiment un grand merci. Oui. C'est comme un défilé de mode. Et alors, vous avez été quelques-uns à me dire, c'était super Dunkerque, il faudrait que tous les ans, on fasse à Dunkerque. Je voulais vous dire que les locaux, ils m'ont dit non. Ça, quand même, ils ont dit, ça fait beaucoup. Donc, merci à tous. Il y a ceux que vous connaissiez parce qu'ils étaient à la buvette. Et puis, il y a ceux que vous connaissiez pas parce qu'ils étaient au sous-sol, dans la cuisine. Et donc, une mention spéciale à Dominique Moins, qui est ici, c'est notre cuisinier des trois jours. Voilà. Ça fait quelques années qu'on voulait essayer de faire la cuisine nous-mêmes trois jours. Et si on n'avait pas eu Dominique, on n'aurait pas pu faire ça cette année. Donc, Dominique, si tu veux bien, on refait l'année prochaine. Je demande tout de suite aux gens, comme ça, ils sont coincés devant vous. Mais voilà, un grand merci. Il y avait aussi les traducteurs improvisés. Avec un très bon niveau, je pense que c'était aussi de qualité. Donc merci Armin, Lise, Morgane, parce que on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont l'équipe à la fois de Bruxelles et du Parti Vert Européen et du groupe européen à Bruxelles. Donc Morgane est là, Armin est là, et Lise, je ne te vois pas. Je ne sais pas si elle est là. Donc, voilà. Et puis il y a Gwendoline qui est aussi notre représentante française au groupe, voilà.
Et donc tous nos collègues européens, merci d'avoir fait le déplacement. Tous nos collègues non-européens aussi, je sais que quand je vous avais dit Dunkerque, vous m'avez dit elle est folle et on veut pas y aller, mais on va y aller pour leur faire plaisir parce qu'il faut aider le parti et tout ça. J'espère que finalement c'était pas juste pour ça et que si un jour on vous réinvite dans le Nord, vous reviendrez. En tout cas, l'année prochaine, ce sera plutôt rendez-vous à Strasbourg. On va essayer de faire ça. Je vous promets rien, on va tester, on va étudier, mais c'est le plan pour l'instant. On pourra avoir tous nos amis allemands. Et donc, je vous dis à l'année prochaine, toujours aussi en forme et n'oubliez pas.